Salut à tous, je vous emmène dans ma semaine au ski. Du coup, sans pouvoir skier, on va découvrir la montagne autrement. Je vais vous emmener avec moi dans ma semaine du ski sans le ski. On va faire plein d'activités. Il fait tellement beau, on va faire plein d'activités qu'on ne ferait pas habituellement en fait. Habituellement on skie toute la semaine. Là on va se tester au ski de fond. Comment vous dire que je sais pas trop comment ça va se passer. Monter la montagne avec les skis, ça s'annonce dur. Première étape, réussir à mettre les chaussures. Comment vous dire que c'est une catastrophe, il y a tout le monde qui tombe. C'est trop dur. Bon, update avec ma gueule transpirante. Ne faites pas ce sport. C'est horrible, franchement c'est horrible. Pour ceux qui connaissent le ski, en gros, vous voyez les pistes vertes ou ces champs, il faut bien ramer pendant longtemps. Bah, en gros, c'est que ça. C'est que ça, voilà. Donc, pas trop de plaisir. Franchement, j'en peux plus. Ma famille, ils sont trop courageux. Ils ont fait la piste bleue. Clairement, j'ai pris la piste verte où il y a des descentes parce que j'en n'en peux plus. Donc là en vrai moi ça va vu que j'ai pris une piste verte, comme je viens de vous montrer les gens là en gros c'est juste descendre donc tant mieux. Mais en fait je sais pas si vous avez vu, on a des skis, ils sont mais minuscules. Enfin genre, ils sont larges comme ça alors que nos vrais skis normalement ils sont larges comme ça. Du coup c'est hyper perturbant et on peut pas freiner vous savez en se mettant en parallèle, il faut faire obliger le sèche-neige. Enfin c'est une nouvelle découverte, franchement c'est pas top. Update, moi je suis presque arrivée, en gros la station elle est là. Et j'attends au soleil. C'est pas pour moi. Je suis morte. En vrai, je suis en train de culpabiliser parce que du coup, moi j'ai pas fait la piste bleue et que ma famille l'a fait. Et mon frère m'a vient de m'envoyer que ma mère est en train de monter à pied. Parce que c'est trop dur. Franchement, j'ai bien fait de pas y aller. Repos. Ah. Alors, Loïc, verdict. Trop bien. C'est pas trop dur? Non, facile. T'es tombé? Non. Deux fois, mytho. Conclusion du ski de fond, on est tous tombés au moins trois fois. Je me suis éclaté la cuisse, ma mère le coccyx, mon petit frère deux fois. Ma mère, elle a les mains en sang, mais genre vraiment, je monte juste après. Enfin, franchement, c'est vraiment pas pour nous. Mon chat, comment vous dire, qui s'éclate dans la neige, c'est trop mignon. Du coup, on s'est reposé un peu après le ski de fond. Et là, on va essayer la luche rail. On promène aussi un petit peu le chien. Et du coup, on va tester. J'espère que ce sera bien, hein, jamais essayé. Moi, je sais pas ce qu'il doit faire. Deuxième activité de notre semaine au ski sans ski. On a essayé la luche au rail. Franchement, c'était trop cool. Ressenti Loïc. C'était un peu lent, mais non. Sinon, c'était bien. Non, en vrai, franchement, ça va quand même assez vite dans les virages et tout. Enfin, c'est grave cool. Nouveau jour, du coup aujourd'hui il y a deux activités prévues, on va à la ferme là ce matin, du coup voir une, je suis fatiguée, voir une production de fromage et ensuite on va faire de la motoneige, j'ai trop hâte. On a essayé de faire une bosse, pas comme dans un TikTok. En gros, on descend et comme ça, y a... on voyait plus rien.
Et comme ça, après, il vole, sauf que bah, c'est un échec. Deuxième tentative, là, on a fait une bosse quand même. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Comme ça, il va descendre. J'espère qu'il va voler. Bon, j'ai une tête de folle. Il a clairement détruit la bosse. On s'en va faire de la motoneige. Ouais, je vais conduire. Non, il rêve. My lady, your body is unnecessary. Salut, je vous retrouve aujourd'hui, du coup on est mardi. Hier du coup c'était motoneige comme vous avez pu voir dans les images précédentes, c'était vraiment trop bien. Franchement on allait du coup sur les pistes de ski où on skie habituellement, on allait dans la forêt, entre les arbres et tout, enfin c'était vraiment trop trop bien. Du coup pour le programme d'aujourd'hui, on va faire une balade en raquette. Du coup j'ai jamais fait non plus, cette semaine c'est que des nouvelles expériences. J'ai jamais fait non plus, du coup ça va durer 3 heures. Donc voilà, donc là on va être dans le centre-ville pour rejoindre le groupe. Et sinon, bah, moi je viens de me lever là, c'est pour ça, excusez ma tête au réveil. Sinon mes parents là, ils sont partis au marché, et moi du coup je vais rester un peu dans le salon là, ce matin. Je vais regarder des vidéos YouTube, je pense, et un peu peut-être travailler mon exposé pour les cours. Rien de bien intéressant. Let's go à la balade en raquette. T'as hâte ? 3 heures. Oh. Ça y est, du coup là, on va démarrer la balade en raquette de 3 heures. Bah, j'espère que ça va être bien, mais je pense. Hein. Ressenti avant de commencer la balade. Faut mettre le masque. Pardon. C'est bon, dans la nature, il n'y a personne. Merci. Dis-moi. Ça va être chiant, 3 heures, mais ça va, je suis fort. Il y aura des beaux paysages. Ouais, j'espère. J'espère qu'on sera pas trop épuisé. J'aime pas comment elle tourne. Hein? J'aime pas comment elle tourne. C'est sérieux? Et t'as un peu ce qu'il y a comme ça là. Ouais. C'est ça. Oh. Salut, aujourd'hui on est mercredi. On fait pas grand chose aujourd'hui, juste balader. Ce soir, on mange. Raclette. Non. Tartiflette. Fondue. Salut, aujourd'hui on est jeudi, du coup aujourd'hui on va à Annecy passer la journée. J'ai bronzé, je sais pas si vous allez voir, je crois que ça se voit un peu, bon là je parais un peu rouge, mais en vrai ça va. Du coup ouais, on va se balader à Annecy pour la journée, j'ai jamais été je crois, ou alors quand j'étais petite, donc trop contente. On arrive à Annecy, il fait vraiment trop beau, vous voyez le soleil bleu là. Je pense que je vais vous mettre quelques images d'affilée genre pour vous montrer un peu la ville, c'est super beau. Et pour ce midi, sinon, on a commandé des petits sandwichs savoyards. Ça a l'air trop trop bon. On a bien mangé, on s'est rempli le ventre. Maintenant, on va aller faire du bateau. Avant ça, faire toute cette queue là. Salut, du coup, aujourd'hui on est vendredi, c'est le dernier jour, ça y est. Les vacances sont terminées, je suis dégoûtée. Aujourd'hui, on refait une balade en raquette de 3h du coup cet après-midi. Là, ce matin, rien de prévu. Je pense que je vais peut-être faire une photo d'Instagram sur. Sur le balcon, parce que c'est mignon avec les arbres et tout, la montagne derrière et le chalet. Du coup, je vous laisse aller voir sur mon Instagram, je vous le mets juste ici. Allez liker.
En fait, changement de programme, je vais aller me préparer parce qu'on va aller faire de la luche sur rail. On avait déjà fait du coup pareil en début de semaine. Mais en fait, on avait pris une carte avec 5 tours et on avait complètement oublié. Du coup, vu qu'on part demain, faut qu'on finisse là aujourd'hui. Du coup, let's go. Je mange une dernière fois la vue quand même parce que c'est vraiment trop beau. J'adore. Let's go à la balade en raquette. Bon, petit changement de programme, au final les raquettes c'est annulé parce que le moniteur du coup il est malade, du coup on a trouvé une randonnée à faire et après go faire de la luge. Cette lumière incroyable, t'as vu ce glow? C'est quoi le but, Loïc? Essayez, fais du sport. Update, ça fait combien de temps qu'on marche? 20 minutes. Ça fait 20 minutes, regardez comment je suis rouge, j'en peux déjà plus. Ça fait que de monter. Aïe. Ça fait que de monter depuis tout à l'heure. Regarde. Ah. Bon, là ça paraît plat, mais regardez, voilà. Comme ça, ça fait que monter comme ça depuis tout à l'heure. N'en peux plus. Non mais là par contre c'est un guet-apens, regardez. C'est comme ça depuis le début. On se retrouve sur les pistes de ski. À défaut d'avoir des skis, on va descendre sur des fesses. Bah, c'est comme des bolos, on n'a pas pris la luge. Trop. Bon, cet après-midi, c'est vraiment un fail. Pas de balade en raquette. Ah, on essaie de glisser. Ça marche pas. Là, maintenant, on va aller faire de la luge. Hein. Bon, c'est la dernière descente. C'est le dernier essai. Rapide. Du coup, aujourd'hui au final, après on devait aller faire de la luge comme je vous avais dit, sauf que pour changer de cette journée, encore un fail. Il y avait beaucoup trop de queues, on avait 4 tours à faire et il y avait presque une heure de queue pour chaque tour. Du coup on a laissé tomber et on est rentré. Et sinon bah voilà, je vais clôturer le vlog ici parce que du coup bah, la semaine est terminée. On part demain à 6h du matin et voilà. Bah, c'est la fin de ma première vidéo, j'avoue que je suis un peu stressée de la mettre. Premier vlog, j'essaie de faire au mieux. Du coup, bah, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!